Salut à tous, c'est VroxFR, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo unboxing. Dans cette vidéo, on va faire l'unboxing d'un jeu qui est très très attendu. A votre avis, qu'est-ce que c'est? Et oui les potos, vous avez deviné, c'est bien sûr Red Dead Redemption 2 les potos. Un super jeu, franchement, je l'attendais vraiment ce jeu. En fait, je vais vous expliquer l'histoire, pourquoi je l'achète maintenant. Durant les vacances, donc durant les 2 semaines de vacances, j'étais allé à la Fnac et j'ai aperçu le jeu à 70 euros. C'est pour vous dire que quand j'ai vu ça, je me suis dit, bordel, ils se foutent pas totalement de notre gueule, mais un peu quand même. 70 euros pour un jeu, ça, c'est cher quand même. Et je me suis rappelé du GTA V qui coûtait à l'époque 70 euros dès qu'il est sorti. Du coup, je me suis dit, bon, ils vont pas baisser le prix. Et je suis allé à Leclerc pour voir si le prix changeait. Voilà, je me suis dit, bon, allez, on va quand même voir au cas où si le prix est plus bas. Ils m'ont dit, bah non, désolé, il n'y a plus de jeu, il n'y a plus de Red Dead Redemption 2. Et je me suis dit, ah, mais merde, c'est ballot. Et ils m'ont dit, bon, ben, reviens le 7 novembre. Du coup, je suis revenu, donc là, on est le 10. Et je l'ai vu à 48 euros, les poteaux. 48 euros le jeu. Red Dead Redemption 2, les poteaux. Hein. 48 euros. Et franchement, je l'ai directement acheté, je ne me suis pas du tout posé de questions. Donc les potes, aujourd'hui, on va faire un unboxing de ce jeu. Juste magnifique, regardez-moi ça. Red Dead Redemption 2. C'est la première fois que je joue à un Red Dead Redemption 2. Je n'ai pas joué au premier. Donc voilà, je vous montre un peu. Hein, un peu voilà. Donc voilà, maintenant je vais vous lire un peu ce qu'il y a marqué derrière la boîte. Amérique 1899, l'ère de l'Ouest sauvage touche à sa fin. Suite à un braquage qui a mal tourné dans la ville de Brackwater, Arthur Morgan et le reste des hors-la-loi de la bande de Dutch Van Derlind doivent prendre la fuite vers l'ouest. Les agents fédéraux et les meilleurs chasseurs de primes du pays se mettent à leur trousse et la bande comme méfait dans les vastes terres sauvages de l'Amérique dans un seul et unique but, survivre. Alors que les quéreurs internes menacent de faire voler la bande en éclats, Arthur en tiraillé entre ses propres idéaux, sa loyauté envers la bande qu'il a élevée. Or, la loi pour toujours. Inclurait Dead Online prochainement, voilà, garde un oeil. Donc, en fait, le multijoueur de Red Dead Redemption 2 va sortir, voilà, prochainement. Donc, ça va vraiment être cool, les potos. Donc, on va tout de suite ouvrir le jeu, les potos, voilà. Donc, c'est parti. Voilà, tac. Je suis désolé, hein, je filme avec mon appareil photo, c'est vraiment pas terrible, je m'excuse pour ça, franchement. Donc on va ouvrir le jeu, la boîte. Donc là déjà nous avons ce qu'il y a, les fiches et tout ça, je vous le montrerai après. Donc nous avons un premier disque, voilà. Donc data disc et play disc. Donc là je suppose que le play disc c'est le jeu. Et data disc ça doit être d'autres choses, mais je sais pas trop. Mais voilà, il y a deux disques dans le jeu. Donc voilà, donc il y a le jeu quoi, et un disque pour d'autres choses, je sais pas, on verra ça. Voilà. Et donc maintenant, je vais vous montrer les potos ce qu'il y avait dedans, donc il y avait des fiches. Hein. Donc nous avons la petite fiche Red Dead Redemption 2 les potos, cheval de guerre et kit de survie de hors la loi. Donc voilà, donc il y a un code. Voilà les potos. Donc il y a un petit code. Voilà, je vais pas vous montrer de toute façon. De toute façon, j'utiliserai direct le code, donc voilà. Donc, c'est un code, voilà, qui permet d'avoir des trucs en plus. Et ça, c'est vraiment cool. Et avec ça, nous avons une petite carte, voilà, semblable à celle de GTA V. Voilà, non, elle ressemble pas à GTA V, qu'est-ce que je dis. Mais voilà, je veux dire, GTA V, ils avaient aussi mis une carte représentant le jeu. Et donc, ils ont fait la même chose avec Red Dead Redemption 2. Et les potos, je vais vous montrer la taille de la carte. Elle est juste immense, la famille. Franchement, elle est juste immense. Attendez, je vais vous montrer. Tac. Bon, je sais pas si vous voyez bien, mais regardez-moi ça. Elle est quand même grande. Hein. Donc là, nous avons West Yellis Bird. Voilà. Ici, nous avons Lemon, Nui, Onver et Ambarino. Voilà, donc voici la carte. Dans toute sa grandeur, vraiment pas mal. Donc maintenant on va vite la replier. Tac. Voilà.
Ouais, plutôt. En tout cas, j'espère franchement que cette vidéo unboxing, cette deuxième vidéo unboxing, vous aura plu. Si c'est le cas, je compte vraiment sur vous pour m'exploser la barre des likes. Bien sûr, il y aura un épisode sur la campagne. Hein. Ça, c'est sûr. Oula, excusez-moi. Oh putain, j'ai eu peau là. J'ai eu de la chance. Et franchement, faut vraiment que je change de trépied. Hein, parce que c'est vraiment pas terrible. Je suis vraiment désolé, voilà, pour ces petites vidéos là. J'ai pas ce qu'il faut pour faire les montages et tout ça. Et je m'en excuse. Mais quand j'aurai un PC, il y aura du montage, ne vous inquiétez pas. Donc voilà. Donc je compte vraiment sur vous, un maximum de likes pour cette vidéo. Et puis voilà. En tout cas voilà, j'espère plutôt que cette vidéo vous aura plu. Voilà, je vous ai fait le boxing du jeu Red Dead Redemption 2. Vraiment un jeu que j'attendais. Il faut savoir que tous les jeux Rockstar, c'est vraiment des jeux que j'adore. GTA 5, je l'ai torché. Mais comme vous, mais c'est pas possible tellement je l'ai torché. Sur PS3, sur PS4, c'est énorme. Et Red Dead Redemption 2, franchement, c'est en plus, ce qui est cool, c'est que Red Dead Redemption 2, c'est un jeu ouvert comme GTA 5, c'est-à-dire qu'on peut, parler aux gens et tout ça, c'est vraiment énorme. Faut savoir qu'il y a des centaines, il y a 500 000 scripts, je crois, dans le jeu. C'est vraiment énorme, il y a des milliers de personnes qui ont donné leur voix, qui ont, des milliers de personnes qui ont joué pour, justement, faire les personnages et donner des voix aux personnages du jeu. C'est juste énorme, les potos. Franchement, c'est vraiment un putain de chef-d'œuvre, ce jeu. Donc voilà, si vous aimez les beaux jeux d'aventure, mais bordel, achetez-vous Red Dead Redemption 2. C'est franchement un jeu qu'il vous faut. Et puis voilà, les potos. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Cette vidéo d'unboxing vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à m'exploser la barre des likes, à vous abonner, à commenter et à partager, à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Tout est en description. Et si vous voulez me parler, vous pouvez aller rejoindre mon Discord. C'est Borok, c'est faire. Voilà. En tout cas, tout est en description si vous voulez plus de détails. Et puis voilà. Portez-vous bien. Moi, je vous laisse pour une prochaine vidéo. Et puis voilà. Tout simplement. Sur Twitter, je vous donnerai. Je vous mettrai. Des informations, voilà, sur le jeu, voilà, voilà, quand est-ce que je sortirai l'épisode, et quand est-ce que je sors des vidéos, et quand est-ce que je sors des lives, voilà, sur des jeux ou sur ce jeu en question, voilà, c'est vraiment très important que vous me suivez sur Twitter, je donne plein d'informations sur ma chaîne YouTube, voilà, quand est-ce que les vidéos sortent, quand est-ce que les lives sortent, quand est-ce que je fais des gros épisodes, voilà, comme Red Dead Redemption 2, voilà, donc, n'hésitez vraiment pas à me checker, à vous abonner à mon Twitter, et puis voilà, plutôt, moi je vous laisse pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, allez, peace!